Hey yo les petits potes, c'est Rookie, faut que je vous parle d'un truc absolument. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Black Ops 6, il y a une espèce de mécanique de visée qui fait que au sniper, mais même avec les fusils automatiques, enfin avec les fusils d'assaut, pardon, quand par exemple là, je mets mon poing sur la lampe et que je vise plus, et ben sans toucher à ma manette, à chaque fois. Le viseur va être placé de manière très 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 aléatoire. C'est-à-dire qu'il sera jamais vraiment sur la cible. Et pour ça, en fait, il faut ajouter un accessoire. L'accessoire dont je parle juste avant, je l'ai mis donc du coup sur le LW3A1 Frostline, donc le premier sniper que l'on a et que j'ai bientôt monté en or. Et en fait, il s'agit du laser de ciblage. Où on vous dit que ça réduit le délai d'oscillation de viseur et la stabilité de visée en marchant. Ça c'est augmenté par contre. Laser visible en mode visée, bon, ça à la rigueur c'est pas très grave. Et en fait, quand on regarde dans le descriptif de l'accessoire, donc du laser de ciblage, dans la catégorie précision, tout en bas dans délai d'oscillation du viseur, vous avez 3330 millisecondes, ce qui correspond à 3,33 secondes. Ça veut dire que pendant 3,33 secondes, votre viseur n'aura pas d'oscillation. Et quand on va sur les autres lasers, eh ben on voit que c'est à 0 millisecondes. C'est-à-dire que dès que vous visez, il y a une oscillation. Et ça peut être un peu perturbant, surtout au sniper, puisqu'en fait, quand vous zoomez, vous arrivez sur un point sur lequel vous ne visiez pas, comme j'ai pu vous montrer juste avant avec la petite lampe, c'est un peu aléatoire. Et donc ça, c'est une nouvelle mécanique de visée qui n'a rien à voir avec l'aim assist et qu'on retrouve aussi bien sur clavier souris que sur manette et que l'on peut réduire du coup avec cet accessoire, le laser de ciblage, et je voulais vous en faire part. Et donc quand on se retrouve de nouveau sur la map et qu'on va de nouveau viser la petite lampe, et ben là sans toucher donc à quoi que ce soit quand je vise, on est vraiment sur le point que l'on vise. Alors, c'est peut-être pas flagrant comme ça, mais je vous promets que... Ouais, si, quand même. Là, on voit que, voilà, je touche à rien, je suis toujours au même point. Toujours, toujours, toujours. Donc, on sera beaucoup plus précis avec le sniper. Donc, sur ce, je vais vous mettre un petit gameplay, quelques clips, un petit montage de quelques clips où j'utilise du coup cet accessoire sur ce sniper et j'espère que ça va vous servir pour votre classe setup. Régalez-vous bien!
supprimé. Ne changez pas.